Mais, on s'en va maintenant à la bonne place que je voulais aller. C'est ici, right? Cuisine chef subrosier. On doit monter. Ah, c'est un aimant, d'accord. Oui, exact. En gros, c'est comme le grappin, hein, c'est dans le même principe. C'est que dans Oracle of Age, c'est un grappin qui nous switch d'endroit, tandis que là, c'est un aimant qui nous tire vers un endroit précis. Avec le bruit le plus gossant au monde, hein, faut pas l'oublier. C'est là la cuisine. Celui-là, si tu creuses près d'ici, tu pourras trouver du minerai à certains endroits. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas tranquille, c'est pas là finalement. C'est de l'autre côté. Ça va être ici. Cuisine du chef sur rosier. Wait! Je dois descendre, je dois aller à gauche, je dois monter. Ça m'étonne, toutes les maisons se ressemblent, hein, ça m'étonne tellement. Si j'avais tous les ingrédients, je te ferais une bonne soupe, mais je n'ai pas de joli pot de fer, alors pas de soupe. Hey! Un pot de verre! Un pot de verre, un pot de fer plutôt. Juste ce qu'il me faut, un pot de fer pour faire une bonne soupe, donne-le-moi, oui. Voilà mon ami Matt Bob, salut Hélène, comment ça va? J'espère que ça va bien. Tantôt Ouellette le dit, juste pour le fun, je quête les subs. Il nous manque deux subs pour on rouvre un booster de cartes Pokémon juste demain. Faut pas que ce soit toi nécessairement. Un gros merci d'être passé Hélène, j'apprécie vraiment beaucoup. Toujours un plaisir, j'apprécie beaucoup. Elle arrive toujours avec son Link Twerk. Merci, attends. Elle va nous faire de la soupe. Imagine qu'on a de la soupe. Ting, clang, plop, blop. Et voilà, la lave et le fer fondu font un parfait mélange. Votre soupe de lave est prête. Elle est super chaude. Et là, avec la fameuse soupe de lave, ce qu'on a besoin de faire, c'est la donner, il me semble, à un goron. Parce que c'est pas n'importe qui mange la soupe de lave. Hein. Il y a quand même des personnes précises dans des endroits précis qui ont besoin de ça. Très gentil, Hélène! Le gars qui était son sub. Joyeuse journée d'amour, Matt Bob Unhart. Merci. J'apprécie vraiment beaucoup, Hélène. En plus, avec ton 4e mois d'abonnement. Toujours un plaisir, j'apprécie. Merci, merci. Et en plus, maintenant, tu vas pouvoir utiliser le cœur et mettre l'amour dans toutes les chats de tout le monde. C'est-tu pas beautiful, ça? T'avais-tu pensé à ça? Tu vas pouvoir utiliser celui de Crimson, celui du mien, puis tous les autres cœurs que t'as de toutes les subs que t'as. Mais il va juste en manquer un, et quand on va arriver à 10, on va pouvoir ouvrir un petit booster de cartes Pokémon. Journée d'amour, ben oui, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, on l'avait dit au début de stream, puis après on a vomi dessus. C'est pas vrai, ça. Fait qu'au qu'on était rendu, c'est ça, c'est la soupe de lave, c'est la montagne Goron. Il faut qu'on monte en haut de la montagne. On n'a jamais fait trop la partie en haut de la map, mais je pense qu'on est capable d'y arriver à faire certaines choses en haut. Amusez-vous bien, les copains! On va bien s'amuser, ne t'inquiète pas. On va vivre notre vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ok, peut-être qu'il va en avoir un lendemain, mais... On va quand même y aller chill. Fait que là, ça dit que c'est au nord. Dans la montagne Big Goron. Selon vous, la montagne Big Goron, c'est au nord, mais si tu es à gauche, parce qu'à droite, j'ai pas l'impression qu'on est capable de traverser tant que ça. Et sinon, Ouellette, je sais pas si t'avais répondu si ça allait bien. Je pense que oui, mais juste pour être sûr, est-ce que ça va bien? Que t'es heureux. Que tu vis ta belle vie. Ruine Tam Marébouille. Je pense que j'étais pas allé par là tant que ça. Ah ben justement, c'est probablement là qu'on va être capable de débloquer le reste, I guess. Nous avons des cartes au trésor et chaperon. Ah, ça c'est les petits emplacements qui sont ici, I guess. Bon, on va faire cette quête-là en même temps. Parce qu'on va pas continuer vers le nord. The winter is coming. Salut Samuel Burgi, mais on sait pas si demain on va être là, du moins je préfère mieux pas savoir. Comment ça tu serais pas là demain? Qu'est-ce qui se passe demain? Oh, mon Zelda préféré, lui, puis DX. Awakening est très bien. Les Zelda 2D, là, je l'ai toujours dit, les Zelda 2D, les donjons sont des masterpieces. Les donjons sont très bien faits pour exploiter au maximum le fait que tu es en vue de haut. Et ça, c'est quelque chose que je lève mon chapeau et que j'apprécie vraiment beaucoup. Je dis pas que les Zelda en 3D sont mauvais. Et je fais juste dire qu'ils sont vraiment bien faits. Ils sont bien pensés pour exploiter au maximum comment qu'on est capable de faire des idées
de donjon. Et ça, je trouve ça cool. C'est vraiment une grosse force. Mais comment ça va, Samuel Buggy et notre cher Lord Master Pants? J'espère que vous allez très bien ce soir. Et je suis content de voir qu'il y a d'autres personnes qui s'en foutent complètement de la Saint-Valentin, qui sont venues chiller ici. J'apprécie. J'apprécie votre venue. Et ça, ça veut dire que je peux shooter ça, right? Je peux-tu faire un shooting range de ma vie? Qu'est-ce que c'est ici? La bête sombre habite ici. Ok. La bête sombre habite ici. C'est un point d'interrogation. Peux-tu faire quelque chose avec une bombe? Non. Ça va bien, thanks, nice. Ben, il peut arriver toutes sortes d'affaires, on souhaite rien de malheur, mais des fois, ça frappe. C'est vrai! C'est vrai. Fait qu'on souhaite que ce soir, ça soit une belle soirée. C'est comme ça qu'on va le dire pour ce soir. Et comme Wallet dit, il manque juste un sub pour qu'on ouvre des cartes Pokémon. Exactement. Les fameuses et les seules uniques cartes Pokémon. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est à creuser ici. Je sais pas ce que ça dit exactement, genre, cet emplacement-là, mais... Peut-être que non, finalement, creuser ne sert à rien. La bête sombre habite ici. Ouais, je m'en fous un peu, j'ai donné mes cœurs en chocolat aux élèves, maintenant c'est fini. T'as fait genre, tiens, prenez-les, puis... T'avais la bonne idée? Avec le magnet? Avec la pelle? Avec les bombes? Mais t'as over par-dessus un item. Non. Boomerang. Mais t'as over par-dessus l'item. Fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à faire. Probablement il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. T'avais la bonne idée là. Je sais pas, j'avais une bonne idée, mais je l'ai là. La pelle, c'est pas ça. Bombe non plus. La plume, c'est sûr et certain que c'est pas ça. Ça n'apporte strictement rien de faire un coup avec l'épée, je suis certain que non. Je suis pas sûr à 100%, mais je compte que tu as un item qui trigger quelque chose. Je suis pas sûr à 100%, mais je compte que tu as un item qui trigger quelque chose. Essaye un lance-roquette ou voir une dynamite. Imagine que c'était ça. Es-tu vraiment en train de me dire que c'est avec la bombe que je dois faire quelque chose? Je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que t'as un item qui trigger quelque chose. Le gars essaye tout. Quand tu vas l'avoir utilisé, je crois que je te le dirai. Ok, fait qu'en gros, j'ai pas encore utilisé l'item, si je comprends bien. Imagine que je dois enlever la pancarte. Laisse-moi vivre ma vie. Attends, la bête sombre habite ici. La bête sombre. Okay. J'ai rien qui fait de la lumière, mais peut-être que si je fais ça. Non, pas de même. Si je fais ça de même, mettons. Parce que c'est un mystère. Archimystère et compagnie. Archimystère et compagnie, c'est la réponse à toutes, mesdames et messieurs. Vous obtenez le joyau croix. C'est notre enfant qu'on avait laissé quelque part. GG, thanks. Merci, merci.
J'imagine tout le monde qui savait exactement la chose, tu étais comme Chris, ceci fait juste utiliser l'item, c'est pas complexe, si c'est un point d'interrogation, mystère. Merci de ne pas avoir dit. J'apprécie. J'apprécie vraiment. Moi je le dis si souvent, si je vous pose la question, puis je vous dis je suis pris, je ne sais pas quoi faire, vous m'aidez. Et j'apprécie que vous faites attention là-dessus. Parce que c'est l'affaire qui me fait le plus chier. C'était évident pourtant. Aïe aïe aïe. Mais c'est ça que j'apprécie quand même, que vous ne me dites pas la réponse. Et ça j'apprécie. J'apprécie vraiment beaucoup. Ça me tient à cœur, les gens qui ne disent pas. Genre, what the fuck, j'aurais jamais deviné ça. Mais j'avoue que c'était quand même comme... T'sais, mettons, si Wallet me l'aurait pas dit, j'avoue que j'aurais quand même cherché un petit peu pour voir comme... Ok, j'ai-tu l'objet, t'sais. En même temps, la pancarte dit strictement rien. Hein. La pancarte, elle fait juste dire, la sombre bête est ici, pis tu fais comme, ok, il y a quelque chose qui est à faire, t'sais. Je le sais qu'avec ma map, je le sais qu'il y a un point qui est là, fait que je le sais que faut que j'aille à cet emplacement-là, t'sais. C'est la seule chose, mais sinon, par de ça, je sais rien d'autre. Il y a un point qui est plus bas ici. Ah, I guess que je dois sortir la pelle puis je vais pelleter partout. Allons-y, j'utilise ma pelle et je pelle un peu n'importe où en espérant trouver quelque chose qui va peut-être m'aider dans ma quête. Non, ça m'aide pas. Imagine que je fais ça puis finalement ça sert strictement à rien. Je serais quand même déçu. Extrêmement déçu. Vraiment, vraiment déçu. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Genre, what the fuck que j'aurais deviné ça? Oui, non, il faut comprendre que ça réfère les graines mystères. Non, exactement, tu sais, il faut juste que tu fasses le lien. C'est quand même limite, mais c'est cool. Ça fait du bien un peu le stream, j'ai pas pu être là la dernière alors que je filais pas. Ouais, ça, c'est toujours comme ça, qu'est-ce qu'il faut voir? Au moins, là, c'est cool, puis tu peux prendre ce relax. C'est dans l'eau, finalement. Fait qu'il y a un trésor là, puis un trésor ici. Je me souviens pas comment j'avais trouvé ça étant enfant, ayant un accès limité à Internet. C'est ça qu'est-ce qui est fou de se dire que... Il y a plusieurs personnes... Que genre, qui ont trouvé des trucs étant plus jeunes. T'as aucune idée comment t'as fait pour trouver ça étant plus jeune, ça me fascine. Puis c'est comme Majora's Mask aussi, quand j'étais plus jeune, là. Il y a tellement des quêtes avec les masques que je me souviens avoir eu beaucoup de difficultés à trouver quand j'étais plus jeune. Et j'ai fait le saut au follow, ça n'a juste pas de sens. J'étais tellement concentré que j'ai fait le saut sur le follow. Merci pour la personne qui a follow, j'ai pas porté attention, c'est qui? Un gros merci. J'étais tellement concentré. J'ai juste fait comme, oh shit. Merci beaucoup, j'apprécie du follow. Tu peux te présenter, tu peux écrire dans le chat si jamais la personne qui a follow a aucun problème. Merci les livres de code de triche, astuce. C'est Imluna? Hello, sorry, aucun problème. Est-ce que tu parles en français ou en anglais seulement? Très curieux. Are you speaking only English or are you speaking French? Le guide papier aide beaucoup. Oui, clairement. Je me souviens quand j'étais plus jeune. Français, ok, parfait. Je voulais juste être sûr. Mais bienvenue à toi. Tu peux te présenter. J'aime bien savoir un peu les gens comment ils ont découvert la chaîne. Il y a des gens qui vous disent, par recommandation, peut-être que t'aimes Oracle of Season. Fait que... Je laisse la petite parole au début, je trouve ça toujours important de le faire. Fallis français, oui, on avait... Le francassi, je ne connais pas cette langue. Oh, gardien des essences, j'ai entendu ta venue, voilà pour toi. Vous obtenez le joyau rond. Puis en gros, il fallait juste qu'on ait tous les petits morceaux d'emblème ensemble. Ça, je me souviens de ça, par contre. On l'avait dit la dernière fois, ben pas les morceaux d'emblème, mais les essences. Les essences essentielles qui étaient tout simplement dans le fameux... Musée des essences essentielles, ça n'a aucun sens que je sais. Peut-être qu'il est dans l'eau. Ici, mettons. Pas ça. Ils sont peut-être dans l'eau de l'autre côté, par contre. Il va falloir qu'on aille. Parce que sinon, j'ai aucune idée, ça serait où à partir d'en bas. Fait qu'ici, pour aller dans l'eau, il faut que je passe par ici. Parce que là, il faut trouver les petits trésors qui sont cachés en ayant la carte au trésor. C'est avec celle-ci qu'on est capable de savoir qu'est-ce que... Ah! Peut-être qu'on doit changer la saison. Hello, Nessie! Comment ça va, ma chère? J'espère que tu passes une belle soirée, que tu n'as pas mal à la tête, que t'es pas malade, que tout se passe bien. J'espère que pour une fois, tu vas dire « Oui, ça va bien! »
vrai que ça va mal les autres fois, mais des fois, t'as tout le temps des petits trucs par-ci par-là, puis je fais comme, qu'est-ce que t'es pas chanceux? La première fois que je t'ai vu, c'était chez Marty, sinon j'aime beaucoup Zelda. Ah oui! Est-ce que tu m'avais vu avec Speedrun Academy? C'est-tu là la première fois ou c'était peut-être avec la tombe bien droite ou peu importe? Mais un gros merci du follow. Ah oui, c'était pour ça. Nice! Très très content de ça. Et bienvenue à toi, tu vas voir, on est... Si t'aimes bien chez Marty, flex, j'ai jamais dit que j'ai gagné. Là, je viens de dire par contre. Peut-être la tombe bien droite aussi. Ok, ok. Mais si t'aimes bien la vibe chez Marty, tu vas voir, ça va être aussi plaisant ici. En gros, ma situation du début de la semaine, j'ai été trahi par ma meilleure pote. C'est pas cool, ça. Elle était merveilleuse et m'a bloqué de partout sans m'expliquer la raison dont j'ai été trahi à nouveau par quelqu'un qui me tenait à cœur. C'est vraiment pas ça, Jean-Marc. Mais tu veux savoir le truc que je te donne? C'est que tu mérites mieux que ça. C'est le truc que je te donne. Fait que comme ça, tu viens ici, tu chill, t'apprécies le live, tu passes une belle soirée. C'est ça qu'est-ce qu'il faut. En gros, là, le truc que je te donne, c'est de faire les choses que t'aimes. C'est le truc. Quand ça va pas, truc que t'aimes direct. Pose pas de questions directement. Chpaou! Est-ce que tu dis, Nessie? Oui, ça va mieux, sauf que le Wi-Fi ne fait pas mieux qu'hier soir. T'étais avec quelle compagnie de pisse que je chiale dessus? Et je dis, genre, crise de compagnie de pisse, on a la même. Un homme humble se m'adopte toujours. Je suis toujours humble. Vous pouvez voir ici le trophée de Speedrun Academy que j'ai gagné. De façon très honnête et très respectable. Merci, merci. Fait que là, c'est le dernier. Il faut qu'on aille chercher qui est en haut ici. Logiquement, je pense qu'on peut monter encore plus haut. Allez ici. Changeons pour l'hiver. Parce qu'à partir de l'hiver, on est capable de traverser ici. Oups. Puis le dernier trésor était là ou à côté? Non, à côté. Parfait. Fait qu'il serait ici. Probablement dans une autre saison. Celui-là, il a l'air d'être... Dis-moi pas qu'il est genre d'être là. Je t'ai eu! Nya! Je suis Vir, le loyal serviteur d'Onox. Onox m'a ordonné de te stopper. J'ai placé la pierre pyramidale au sommet de cette colline. Attrape-la si tu peux. Au fait, ces chutes sont de la cité engloutie. Si tu ne peux nager, tu ne peux pas les descendre. Ok. Fait qu'elle est là, la pièce. Est-ce que je peux monter? Ou est-ce que j'ai besoin d'appeler Dimitri? Si, mettons, je quitte puis je reviens, là. 10 visionnages, nice! Essaies-tu de le finir à 100%? Pas en ce moment, on essaie juste de faire la quête. On est en train de faire deux quêtes en même temps. On est, pour te mettre un petit peu en contexte, on est rendu après la 5e essence? Exact. Après la 5e essence qu'on vient d'avoir, on est en train de faire deux choses en même temps. De un, on est en train de se rendre vers le 6e donjon. Et de deux, on est en train de faire la quête de l'épée de la noblesse, que ça s'appelle en français. Vu que je jouais pas en français étant plus jeune et que c'est très loin dans ma tête, on est en train de faire la quête pour monter notre épée au niveau 2. Fait que c'est ça qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. Si le père Vir se fait virer par son boss, c'est sûr qu'il se fait péter la gueule. Check-moi ben. De toutes les personnes que je voulais zéro perdre, fallait que ce soit elle et elle était merveilleuse. Elle m'a permis de passer à travers des moments difficiles. J'en suis tombé amoureux pour finalement être trahi. C'est vraiment... Tu sais, c'est des choses qui sont tristes, mais... Tu sais, je suis pas la bonne personne pour dire, mettons, il faut que tu vives ça de telle façon et tout ça. C'est normal de vivre ce deuil, de vivre ce qu'on vit. Désolé si je compte mes problèmes et gâcher un peu le moment. En fait, non, il n'y a aucun stress. Hein. Tu sais, je pense que c'est juste normal de... On peut pas rentrer ici avec. C'est normal de vivre ces moments-là et tout ça, mais le truc que je te donne vraiment, c'est d'y aller genre étape par étape pour pouvoir arriver à ton deuil. C'est normal de le vivre. C'est normal de le vivre, mais après, c'est juste de tranquillement pas vite de se dire que comme... Shit happens, c'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Bonsoir mon ami Madbomb, bonsoir mon ami Marty Vengeance, comment ça va? Est-ce que t'es tout fébrile à la Saint-Valentin de pouvoir être célibataire et d'avoir une formation de la face? J'espère que ça va bien. Il y a quelque chose que la vie m'a appris, c'est que tout arrive pour une raison. C'est très vrai ça aussi. C'est la dernière chose que tu vas entendre, mais quand tu le réalises, ça l'aide à traverser cette situation avec de l'espoir. Exact, puis tu sais, c'est... Chacun le vit à sa façon, chacun vit sa peine de sa façon qu'on veut et tout ça, mais comme que Wallet dit, c'est comme, si quelque chose est arrivé,
tu peux rester comme bloqué à ça pendant des années de temps, mais à un moment donné, c'est arrivé. Mais de vivre sa peine, c'est normal. Mais comment ça va, Marty? Je te faisais une bonne blague et ça m'a fait vraiment plaisir de la faire, mais j'espère que ça va bien quand même ce soir et que tu passes quand même une belle journée. Ça s'est bien passé. C'est tout ce que je demande. Je suis super bien, je prends un bain. Nice. Est-ce que tu chantes en même temps? Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. On joue au sous-marin. J'espère que tu chantes pas ça, par contre. J'ai dit que j'espérais que tu chantais. Non, mais je te regarde en même temps. J'aime tellement pas les points de suspension en disant ça. T'avais pas besoin de dire que t'étais tout nu dans ton bain. Je le sais que t'es tout nu dans ton bain. Qui prend son bain en étant en costume de bain? Même si c'est un costume de bain. Qui? J'espère que t'as une image maintenant. Oh, calice. Faites quelque chose. Faut pas que je ferme les yeux. Faut que je les garde ouverts. Garde-les ouverts. Garde-les ouverts. Je peux plus fermer les yeux, là. Je peux plus. Juste comme ça, elle est pas morte. Je suis juste abandonné, trahi, j'ignore sur le deuil. Il veut dire quoi? Oui, mais c'est un peu la même chose quand une personne, mettons. Tu sais, le deuil, ça veut pas dire nécessairement que la personne est morte. Ça peut être aussi dans différents trucs et tout ça. Je garde mes bas que je me lave. Quoi? J'ai de l'eau jusqu'aux oreilles, Matt. Es-tu capable de respirer encore? Fais attention, ton cellulaire ne doit pas toucher l'eau. Parce que si ton cellulaire touche l'eau, ça peut mal se passer. Oui, à ton cellulaire touche l'eau, oui, tu respires. Oui, toutes ces réponses. Qu'est-ce qui se passe? Moi, là, j'imagine Marty en ce moment-là, comme ça. Dans son bain. Même combat. Puis là, à un moment donné, je suis sûr et certain qu'il fait ça. De temps en temps, là, il fait comme... Ouh! Pareil, même combat. Les sextos, c'est en MP, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Calmez-vous, là, les gens. Marty dans son bain, là. Pas besoin de capoter non plus votre vie. C'est juste Marty dans un bain. Et là. Là. Là, il faut que j'aille changer. C'est là qu'est la bûche. La bûche magique. Si. Matt, you know what? Qu'est-ce que tu vas me dire encore? J'ai peur. Je l'ai dit ici. Ok. Qu'est-ce que. Il y a trop de suspense à ce que tu dis. Et je sais pas c'est qui pense en passant. Hein. Je sais pas. C'est qui? Je suis bien en douche, moi. Non, mais arrêtez, là. Ça continue, je vais dire, hey, checkez-moi ça, je suis dans mon jacuzzi en ce moment, en train de streamer. Vous le savez pas, mais il y a un green screen en ce moment qu'on voit mon screen. Yes. Qu'est-ce que tu veux me dire, Marty? C'est quoi ton truc secret, là? Peut-être une rumeur, mais il paraît qu'il y a un géant dans les montagnes. Ça me fait peur, mais je ne voudrais pas le rencontrer. Mais c'est ce que je vais aller porter. En 2024, on va avoir un remaster de Oracle of Season et Age. Tu penses? Ça se passe cette année. Si c'est le cas, je les refais pas. De un. Puis si c'est le cas, je te donne le défi de faire les deux en 2024. C'est un deal. Le pire, c'est que c'est un deal que j'ai rien à perdre. J'ai peut-être tout à gagner en faisant ça. Y a rien d'autre que je peux voir. Mais en même temps, on est rendu. Ils ont fait pas mal le tour des remakes, t'sais, quand on y pense. Screener le message de Marty pour le shame à la fin d'année, ça arrive pas. Y'a rien annoncé pour la franchise de Zelda. C'est vrai. C'est vrai. Et genre, t'es pas en vert pour être habillé dans ton jacuzzi. Exact. Et c'est tout est dans tout que c'est que ça. C'est tout est dans tout. C'est comme ça que ça se passe. Et là. Avec Marty qui me dit n'importe quoi dans son bain, là. Moi, là, ce que je veux faire, là.